Voilà, donc maman, elle est rentrée. Mais j'avais pas mis de flash pour les présenter. Et comme il n'y a pas longtemps qu'ils ont ouvert leurs petits yeux aussi, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Principal, c'est que vous les voyez épanouis, en bonne santé. Ici, donc, vous avez Vesper. Le chiot numéro 3, la petite femelle. Oh, bah oui, tu fais un beau coucou à toute la famille, toi. Oh, bah là là. Oh là là. On peut le dire. Regardez donc à l'arrière, comment elle. Cette petite queue, elle va dans tous les sens. Bah oui, hein. Maman chérie, hein? Ouais. Ici, donc, vous voyez le chiot numéro 1, la petite femelle. Moi, c'est endormi, Vesper. C'est joli comme petit nom. J'aime beaucoup, le temps que je m'habitue. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup là, en peu de temps. Et pourquoi tu me réveilles, toi? Et pourquoi tu me réveilles? Hein? Ouais. Alors, est-ce qu'on peut voir le mâle? Oh, qu'est-ce qui se passe, Vesper? Tu veux faire un petit coucou à la famille? Mais oui. Alors là, franchement, ils sont super contents. Hein? Je leur envoie occasionnellement donc des nouvelles de leur fifille. Bah oui. Alors là, on voit le mâle. Donc, ils auront 4 semaines hein, samedi et nous sommes donc jeudi. Voilà, c'est ça. Et oui, ça a passé vite hein, ces derniers moments avec l'autre portée au niveau des départs. Il m'en reste donc 3 qui vont partir ce week-end. En attendant, comme vous voyez, la maman Pégase et ses 3 petits vont très bien. Voilà. Allez, on se dit à bientôt sur Staffordland, bien sûr.